Le très haut débit bientôt dans les foyers de la ville de Petit-Couronne. Orange a dévoilé ce mercredi 15 avril son plan de déploiement de la fibre optique jusqu'au logement de la commune. Le réseau aura pour vocation d'amener de l'instantanéité dans les usages multimédia. Le petit couronné ou la petite couronnaise pourra avoir à la fois la télé, à la fois de la musique, à la fois jouer en réseaux sociaux. Donc ces multiples usages qui, grâce à un réseau performant, vont pouvoir amener dans les foyers une diversité de rapidité sur ces réseaux. Et c'est bien la performance de ce réseau de fibre optique qui va faire que demain on va pouvoir déployer des usages comme le télétravail également, la télémédecine aussi, puisque on peut parler d'usage aussi vis-à-vis des professionnels, qui est aussi extrêmement important. Le déploiement du réseau dans la rue commence dès aujourd'hui et devrait s'étaler jusqu'à la fin de l'année 2015. Lorsque nous aurons déployé le réseau dans la rue, il y aura ensuite le déploiement dans les immeubles. Et les immeubles, ce sont des parties privatives. Pour fibrer les colonnes montantes des immeubles, il faut absolument obtenir les accords syndics. Et j'insiste là-dessus, les accords syndics pour les privés, c'est une assemblée générale, c'est une fois par an. Et Orange doit pouvoir fibrer sans le fibrage des immeubles. L'habitant ne pourra pas choisir son abonnement auprès d'ailleurs du fournisseur d'accès Internet, du concurrent qu'il souhaite. Une fois les démarches effectuées, les habitants recevront la visite de techniciens. Ils seront munis entre autres de ce fil de verre. C'est lui qui permettra de transporter une grande quantité d'informations à la vitesse de la lumière. Les techniciens arrivent chez le client, passent leur fibre du domicile vers le point de branchement où ils réalisent une soudure. La soudure étant réalisée, ils vont raccorder une jarretière optique entre la prise terminale optique qui a été posée au départ et l'ONT, l'Optical Network Terminal, qui fait la transformation d'un signal lumineux en un signal électrique. Puis tester tous les services qui sont derrière la box, qui est la même box qu'on trouve chez un client qui est en cuivre. La ville de Petit-Couronne accueille la fibre optique avec satisfaction. Nous avons un débit très faible à Petit-Couronne du fait de l'éloignement des centraux de Grand Quevilly ou de Grand Couronne. Et donc, quand on a 500K, 1 méga, voire 2, c'est le maximum. Et donc, le déploiement de la fibre optique permettra des débits jusqu'à 500 mégas. Donc, c'est important pour le territoire. Important aussi pour le territoire au niveau de l'action économique, puisqu'on a des zones industrielles, artisanales, et que là aussi, elles sont pénalisées par le manque de débit. Les premiers clients pourront bénéficier du très haut débit à partir du printemps 2016. Le réseau Astuce, le réseau de transport en commun de la métropole Rouen-Normandie, comptera d'ici 2018 une nouvelle ligne Théor, la T4. Elle ralliera les deux rives de Rouen en passant par les grands boulevards. Cette ligne longue de 8,5 km devrait compter 15 stations. Départ de la ligne T4, station Boulingrin, puis elle s'arrêtera place Beauvoisine à proximité du futur palais des congrès. Elle empruntera le boulevard de l'Isère jusqu'à la gare SNCF avec des voies de bus dédiées, des pistes cyclables seront aménagées. Puis T4 empruntera le boulevard de la Marne jusqu'à la place Cauchoise. Ensuite, elle empruntera le boulevard des Belges qui sera lui aussi aménagé en site propre pour les bus avec des pistes cyclables le long du boulevard. Puis la ligne T4 empruntera le pont Guillaume le Conquérant pour trouver l'arrêt Jean Rondeau, puis une autre station au niveau de la maison d'arrêt Bonne Nouvelle. Puis T4 continue sa route au sud en passant par le Petit Quevilly. Elle empruntera l'avenue Jean Rondeau pour s'arrêter au croisement de l'avenue de Caen pour une liaison avec le métro. Puis T4 empruntera l'avenue de la Libération pour desservir la place des Chartreux puis le rond-point des Bruyères via le boulevard du 11 novembre. L'arrêt du rond-point des Bruyères permettra de desservir le stade Diochon, le pôle de formation de coiffure ainsi que le lycée des Bruyères. Puis T4 empruntera l'avenue des Canadiens où il y aura 3 arrêts dont un au parc des Bruyères. Enfin, terminus de la ligne T4 au Zénith, parc des expositions. Cette nouvelle ligne, elle vient surtout desservir tout l'ouest du centre-ville. Les boulevards aujourd'hui sont très peu desservis sur la rive droite. Également tout le secteur de l'avenue Jean Rondeau,
avec le développement du futur écoquartier Flaubert, tous les projets immobiliers, tous les nouveaux projets d'habitat qui voient le jour aujourd'hui le long du boulevard de la Libération, de l'avenue Jean Rondeau. Bah, tout ça, c'est des nouveaux habitants, des nouveaux lieux d'emploi qui ont besoin d'être desservis. Et ça, c'est vraiment un des enjeux forts de cette nouvelle ligne. La future ligne T4 entre actuellement dans la deuxième phase de concertation dont l'objectif est de recueillir les avis des futurs usagers. Des agents de la métropole Rouen-Normandie vont donc à leur rencontre sur le terrain. On vous présente le projet, vous dit un peu comment va fonctionner le bus et si vous avez des choses à faire remarquer, justement qui vous semblent manquer ou qui vous semblent bien, vous pouvez l'indiquer sur le petit volet qui se détache là. Ça, vous écrivez vos coordonnées si vous voulez. Avec leurs gilets jaunes et leurs dépliants en main, ils présentent le projet et répondent aux questions. Ils récoltent les avis des usagers qui seront pris en compte dans la conception de la ligne T4, car pour l'heure, il ne s'agit que d'un projet de tracé et les stations envisagées doivent être confirmées. Je trouve que c'est très bien parce que justement, les personnes ne sont pas forcément au courant. Et puis, le fait d'aller directement en contact avec les personnes, ça permet d'avoir l'information tout de suite, quoi. Et moi, je n'étais pas au courant, par exemple, de la ligne T4. J'espère pouvoir la prendre pour aller au Zénith, justement, ce qui m'évitera de prendre ma voiture et de me perdre dans le grand parking. Et il faut absolument demander ce qu'en pensent les gens pour faire des choses valables. Pour nous, c'est important d'entendre les avis des personnes pour pouvoir en tenir compte dans la conception du projet. Et aujourd'hui en particulier, on a souhaité venir à la rencontre des usagers des transports en commun, les gens qui utilisent les transports en commun tous les jours et qui savent nous dire finalement ce qui est pratique, ce qui n'est pas pratique, où est-ce que pour eux c'est important de pouvoir aller facilement, est-ce que c'est facile de faire des correspondances ou pas, de façon à pouvoir en tenir compte le mieux possible dans le projet. Deux réunions publiques ont déjà eu lieu. Une dernière est prévue ce lundi 20 avril avec les commerçants. Sur le terrain, le retour des usagers est plutôt bon, même si certains émettent quelques critiques. Les gens majoritairement sont quand même assez sensibles au développement des transports en commun. Ils comprennent bien les enjeux derrière, la limite de la pollution, des déplacements faciles et assez peu onéreux. Donc ils sont plutôt en attente, même s'ils se disent « je ne vais peut-être pas l'utiliser tous les jours, mais potentiellement cette ligne peut m'intéresser ». Alors quelques reproches que l'on a, c'est parfois un doublon entre la gare et le Boulingrin avec le métro, et puis les terminus qui sont à Boulingrin, pourquoi on ne va pas jusqu'au CHU, ou à l'autre extrémité côté Zénith, pourquoi on ne fait pas la liaison avec le Technopôle. Les travaux de la ligne T4 devraient débuter fin 2016 pour une mise en service en 2018. Le projet est estimé à 88 millions d'euros. L'objectif de cette ligne est d'attirer 20 000 usagers par jour.